Yo les crottes de nez, c'est Chrysarion, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le farm d'une compo de craft qui nous permet de crafter le set vert d'Ashiara qu'on verra par la suite. Pour cela, vous allez devoir lancer une partie en mode campagne, vous la mettez en normal et vous allez charger le point de quête dans l'acte 2, le point de quête numéro 7, le passage submergé. Voilà, et on va faire jouer. Ta 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 ta. Les gobes de vie soignent tous les joueurs. Donc ne prenez pas en compte mon TP, vous allez à l'oasis de Dalgur. Et vous montez tout au nord, ouest. Allez, on va dire, je prends ça, c'est toujours utile. Alors là, la sortie se situe toujours au nord-ouest, voilà. Donc on va s'y diriger rapidement. Je pense que vous connaissez la map maintenant. Voilà. Pas du tout. Donc si là je suis ici, c'est que c'est un peu plus sur la droite. Voilà, ça doit être par là. Hein. Tout le monde connaît l'oasis. Voilà, vous avez donc ce petit truc. Et ce qui va nous intéresser, c'est Strass, ce petit mob qui va nous looter la compo. Pour cela, vous rentrez dans la canalisation antique. Ici, vous allez avoir votre point de sauvegarde. Voilà, du coup, vous quittez la partie. Alors, ça n'a pas marché parce que je l'ai déjà, mais j'aurais pu très bien le faire sur la vidéo. Je pense que vous pouvez comprendre le principe. Donc j'ai mon point de sauvegarde en mode campagne, je change les paramètres de partie, je mets un tourment qui m'intéresse, par exemple du 4, hein, c'est très bien du 4. Je charge une nouvelle partie. J'espère looter du premier coup, comme ça au moins, ce sera fun. Et là vous avez donc votre TP canalisation antique, vous pouvez aller dedans. Et vous allez pouvoir revenir directement sur le pont de l'oasis et tuer ce petit mob qui est là. Pourquoi il disparaît à chaque fois? Donc Ibaria looté, et ce que vous faites, bah vous retp, hein, tout simplement. On va le refaire une fois. J'ai pas de chance, j'ai jamais de chance, même en T4, vous voyez, je peux même pas vous montrer que la compo existe. Donc je requitte. Et je relance. Ça va vite, ça se fait, vous pouvez le faire en T1, T2, T3, ce que vous voulez. Même en mode normal, hein, les compos tombent en mode normal, mais vous avez bien sûr moins de chance. Calvaire, expert, ce que vous voulez. Vous avez vu, ça va assez rapide. Donc, est-ce que ça va être nerf? Je n'en ai aucune idée, mais c'est un bon moyen de farmer. Donc, vous voyez, il est là toujours. Tout le temps. Il a 100% de chance de popper. Et voilà. Il y a enfin le truc qui tombe. Ce que vous faites après, vous barrez tranquille. Voilà. Donc ça s'appelle la doctrine des loups de fer. Donc utilisée par le forgeron pour créer les habits d'Ashiara. Nous allons voir un petit peu ce que donne ce petit set. Donc voilà, la forge. Voilà, donc le set d'Ashiara, c'est un ensemble qui donne 100 à toutes les résis, 20% de vie. Et les attaques font parfois venir vos compagnons à votre aide. Alors sachez que parfois, c'est quasiment tout le temps. Par contre, le seul défaut, c'est que les compagnons ne bénéficient pas du coup du stuff que vous leur avez mis. Donc il y a l'enchanteresse et tout, mais ils ne bénéficieront pas du stuff dont ils sont équipés. Malheureusement, sinon ce serait trop cheaté. Donc je pense que l'ensemble 2 et 3 est pas mal. Donc avec un petit anneau de grandeur royale réduit de 1, et ben vous avez juste deux pièces à avoir pour avoir l'ensemble de 3 qui est quand même assez intéressant. Voilà, et ben je vous souhaite en tout cas un bon farm. Et ben si vous êtes comme moi, vous pouvez essayer de looter plusieurs fois ce petit item. Allez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.